Ô Jésus, délice de mon cœur, tu connais mes désirs. Je voudrais me cacher au regard humain pour que vivante, je sois comme si je ne vivais pas. Je veux vivre pure comme une fleur des champs. Je veux que mon amour soit toujours tourné vers toi, comme une fleur qui se tourne toujours vers le soleil. Je désire que le parfum et la fraîcheur de la fleur de mon cœur te soient toujours exclusivement réservés. Je veux vivre sous ton divin regard, car toi seul me suffis. Je n'ai peur de rien quand je suis avec toi, ô Jésus, car rien ne peut me nuire. C'est ainsi que sœur Faustine parlait avec Jésus. Dieu a voulu, par l'intermédiaire de cette humble religieuse polonaise, rappeler au monde entier le grand message de sa miséricorde. Mais qui est sœur Faustine? Elle est née en Pologne le 25 août 1905, dans un petit village de Głogów. Elle s'appelait Helena Kowalska. Les parents sont paysans et malgré leur dur travail, ils vivent très pauvrement. Ils y accueilleront pourtant la nombreuse famille de 10 enfants, dont Helena, la troisième. La vie familiale était pieuse, et dans leur maison, Dieu avait la première place. Elle va à l'école primaire, mais n'y reste que 2 ans, car ses parents ont besoin de son aide. Déjà à 7 ans, Jésus l'appelle à la vie religieuse. Pour elle, c'est une invitation à mener une vie plus parfaite. Adolescente, elle va travailler comme domestique dans une famille d'un village voisin. En revenant chez elle, Helena demande à ses parents de rentrer au couvent. Leur refus est catégorique. Elle repart à nouveau travailler à Łódź dans une autre famille. Quelque temps plus tard, elle demande à nouveau à ses parents de lui permettre d'entrer au couvent. La réponse est la même. Elle essaye alors d'étouffer en elle l'appel de Dieu en s'intéressant à ce qu'elle appelle les vanités de la vie. Le 1er août 1923 a lieu un événement décisif pour elle. Écoutons-la raconter cela dans ses cahiers. J'étais au bal avec une de mes sœurs. Pendant que tout le monde s'amusait, j'éprouvais des tourments intérieurs. Soudain, au moment où je commençais à danser, j'aperçus près de moi Jésus supplicié, dépouillé de ses vêtements, tout couvert de blessures, qui me dit ces mots. Jusqu'à quand vais-je te supporter et jusqu'à quand vas-tu me décevoir? À ce moment, la charmante musique cessa pour moi. La société où je me trouvais disparut à mes yeux. Il ne restait que Jésus et moi. La personnalité de sœur Faustine transparaît déjà. Souple à la grâce, elle répond avec élan dès qu'elle a la certitude de ce que Dieu lui demande. Sans aucune sécurité, la voilà partie à Varsovie. Elle attend seulement que Dieu lui dévoile la suite de ses projets pour elle. Comme elle décrit dans ses cahiers, elle frappe dans beaucoup de portes de couvents. Sa patience et sa persévérance sont mises à l'épreuve. Puis vient enfin le jour où tout s'éclaire. Enfin, je frappai à notre porte. La mère supérieure, l'actuelle mère générale Michaela, m'accueillit. Après une brève conversation, elle m'invita à aller chez le maître de la maison, demander s'il me recevrait. Je compris tout de suite que je devais prier le Seigneur Jésus. Avec grande joie, je suis allée à la chapelle et lui dis « Maître de cette maison, est-ce que tu me reçois ?» Et tout de suite, j'entendis « Je t'accepte, tu es dans mon cœur. » Quand je sortis de la chapelle, la mère supérieure me demanda « Eh bien, est-ce que le Seigneur t'a reçu ?»« Oui, lui répondis-je. Si le Seigneur t'a reçu, je te reçois aussi. » Le 1er août 1925,
elle entre comme postulante dans la congrégation des religieuses de la Divine Mère de Miséricorde. Quelques mois plus tard, elle est envoyée à Cracovie pour commencer son noviciat. La vocation propre de la congrégation est de s'occuper des filles et des femmes en danger de se perdre dans le monde ou qui ont besoin d'une protection spéciale. Dans ces maisons de miséricorde, comme on les appelle, elles ont la possibilité de renouveler leur vie intérieure et de retrouver leur place dans le monde. Jésus l'a conduite justement ici, dans cette communauté dont la mission particulière est de sauver les âmes. Toute sa vie et sa mission ont été orientées pour sauver les âmes perdues. On peut dire qu'ici, le maître, c'est Jésus. Il nous enseigne de quelle façon il faut s'approcher de l'être humain. Comment savoir se pencher sur sa misère? Le plus important, c'est de ne pas le rejeter, mais de voir en lui sa grandeur comme enfant de Dieu. Un groupe de religieuses éducatrices a comme tâche l'éducation de ces filles et de ces femmes qui ont besoin d'un profond renouveau moral. Un autre groupe des sœurs converses s'occupe des travaux auxiliaires nécessaires pour que la maison puisse fonctionner. Comme Helena a très peu d'instruction, elle est acceptée pour assumer les tâches les plus humbles de la communauté. Ainsi, toute sa vie, elle travaille comme cuisinière, puis comme jardinière et à la fin, comme portière. Le noviciat commence par une cérémonie de prise d'habit durant laquelle elle a reçu son nouveau nom, sœur Maria Faustina. Dès son postulat, la vie communautaire l'oblige à des rudes combats. À la cuisine, un lourd travail l'attend chaque jour. Jamais on ne l'entend se plaindre. Elle met tout son cœur à l'ouvrage. La grande quantité de travail n'empêche en rien son ascension spirituelle. Quoi qu'elle fasse, c'est pour Dieu et avec lui. Lorsque le dégoût et le sentiment de monotonie de mes devoirs s'emparent de moi, je me rappelle que je suis dans la maison du Seigneur, où il n'y a rien de petit, où de ma petite action, accomplie d'une manière divinisée, dépend la gloire de l'Église et le progrès de plus d'une âme. Il n'y a donc rien de négligeable dans une congrégation religieuse. Pendant cette période difficile, sœur Faustine est aidée et soutenue par le père Andrasch, qui est confesseur des religieuses au couvent de Cracovie. Il deviendra son directeur de conscience pendant les deux dernières années de sa vie. À partir du noviciat, elle entre dans une véritable nuit spirituelle. Elle ne ressent plus sensiblement la présence du Seigneur. Sa prière devient sèche et lui demande de grands efforts. Elle découvre sa misère, son péché, et que sans Dieu, elle n'est rien. Une pensée terrible pour moi était de croire que j'étais rejetée de Dieu.
Puis d'autres pensées me venaient. Pourquoi tâcher d'acquérir des vertus, de faire de bonnes actions? Pourquoi se mortifier et s'anéantir? À quoi bon faire des vœux? À quoi bon prier? À quoi bon se sacrifier et s'anéantir? À quoi bon faire, à chaque pas, le sacrifice de soi-même? À quoi bon? Si j'étais déjà rejetée par Dieu, à quoi bon ces efforts? Ici, Dieu seul sait ce qui se passait dans mon cœur. C'est seulement la foi qui donne un sens à la souffrance. La souffrance est un mal. Elle est venue au monde par l'homme, par le péché et par Satan. Dieu ne voulait pas la souffrance et Dieu ne veut pas la souffrance. Mais à ce mal qui est devenu pour l'homme un poids si lourd à porter, la miséricorde de Dieu et sa grandeur a su donner une dimension positive en sanctifiant la souffrance. Sœur Faustine, pourtant une âme si pure, a vécu dans sa vie tant de souffrances. Elle a été purifiée même dans tout ce qui est humain pour devenir sanctifiée, pour que tout dans sa vie soit sanctifié. Dieu a accompli cela en permettant la souffrance. La croix acceptée enrichit beaucoup l'être humain, car à ce moment, il devient ouvert vers Dieu. Il devient humble. Et l'humilité, comme la confiance, ouvre la nature humaine vers l'action divine. Si l'être humain devient riche de Dieu, non pas de lui-même, mais de Dieu, c'est pour cela qu'il devient si beau, et c'est pour cela qu'il a tant à donner et à dire à l'autre. Sœur Faustine s'est livrée totalement à Dieu et n'est jamais revenue sur ce don. Avec patience et persévérance, elle traverse cette nuit spirituelle. Parfois, quelques éclaircies de grâce surnaturelle l'aident à tenir bon et à reprendre souffle. Mais la joie que lui procurent ces moments ne dure pas longtemps et les ténèbres reprennent. La Sainte Vierge me rendit visite, tenant Jésus dans ses bras. La joie remplit mon âme et j'ai dit, « Marie, ma mère, savez-vous quelle terrible souffrance j'endure ?» Et la Mère de Dieu me répondit, « Je sais combien tu souffres, mais n'aie pas peur, j'ai et j'aurai toujours compassion de toi. » Elle sourit affectueusement et disparut. Aussitôt, mon âme se trouva remplie de force et de courage, mais cela n'a duré qu'un jour. Pendant cette période d'épreuve, Sœur Faustine a aussi compris en profondeur jusqu'où peut aller le désespoir de l'âme qui voit sa misère, ses péchés et qui est tentée d'en désespérer. Elle, qui a expérimenté même l'angoisse des âmes damnées, restera profondément interpellée à prier pour que les âmes soient sauvées et à soulager leurs tourments spécialement à l'heure de la mort. Je vis mon ange gardien qui m'ordonna de le suivre. En un instant, je me trouvais dans un endroit enfumé, rempli de flammes, où se trouvait une multitude d'âmes souffrantes, qui prient avec ferveur, mais sans efficacité pour elles-mêmes. Nous seuls pouvons les aider. Les flammes qui les brûlaient ne me touchaient pas. Mon ange gardien ne me quittait pas un seul instant. Et je demandais à ces âmes quelle était leur plus grande souffrance. Elles me répondirent d'un commun accord que c'était la nostalgie de Dieu. J'ai vu la Sainte Vierge visitant les âmes au purgatoire. Elle l'appelle étoile de la mer. Elle leur apporte du soulagement. Je voulais encore leur parler, mais mon ange gardien m'avait déjà donné le signal du départ. Nous sortions de cette prison de douleur quand Dieu a dit « Ma miséricorde ne veut pas cela ». Mais la justice l'exige. Depuis ce moment, je suis en relation plus étroite avec les âmes souffrantes. Durant 5 ans, elle renouvelle ses vœux. Après le temps de la nuit, le Seigneur lui fait à nouveau sentir son amour et le cœur de Sœur Faustine s'enflamme. Dans son journal,
Écrit par obéissance à son confesseur, Sœur Faustine raconte ce qui lui est arrivé, ce que le Seigneur lui a fait vivre et découvrir, les grâces de sa miséricorde et sa joie d'y répondre. Depuis que j'ai aimé Dieu de tout mon être, de toute la force de mon cœur, la peur a cédé. Et quoi que l'on me parle de sa justice, je n'ai pas du tout peur de lui, car par expérience, je sais que Dieu est amour et que son esprit est paix. Et je vois maintenant que mes actes inspirés par l'amour sont plus parfaits que ceux que j'ai accomplis par crainte. J'ai mis ma confiance en Dieu et je n'ai peur de rien. Je m'en suis remise à sa sainte volonté. Qu'il fasse de moi ce qu'il veut, je l'aimerai quand même. Le 1er mai 1933, ici, dans cette chapelle, elle a fait ses vœux perpétuels en présence de l'évêque Rospon. La présence divine me pénétra. Mon âme fut plongée en Dieu et inondée d'un tel bonheur que je ne puis le décrire même en partie. J'étais singulièrement unie à Dieu. Il me semblait, en voyant l'amour dans son regard, que j'allais mourir. J'eus une longue causerie avec le Seigneur, sans prononcer un mot. De ce moment, je me sentis consacrée. Un grand mystère s'est accompli entre Dieu et moi. Mon âme en fut affermie et fortifiée. Dieu m'a laissé comprendre l'unique chose qui est à ses yeux une valeur infinie. C'est l'amour. L'amour de Dieu. L'amour. L'amour est encore une fois l'amour et rien ne peut être comparé à l'acte de pur amour de Dieu. Oh, quels inconcevables égards Dieu a envers l'âme qu'il aime sincèrement. Oh, que l'âme qui, déjà sur terre, jouit de ses égards particuliers, est heureuse. Et c'est l'âme petite et humble. Le signe extérieur des premiers vœux est la croix sur une pèlerine et le voile noir. Le signe des vœux perpétuels est une alliance en argent sur le doigt. C'est l'alliance de Sœur Faustine avec Jésus. Voici le chapelet de Sœur Faustine qu'elle a usé dans la prière incessante pour sauver les âmes des pécheurs. Je fus soudain éveillée et je sentis distinctement qu'il y avait auprès de moi un esprit qui demandait ma prière. Une force me contraint tout simplement à la prière. Ma vision est purement spirituelle, par une soudaine lumière qu'en cet instant Dieu m'accorde. Je prie jusqu'au moment où je sens la paix en mon âme. La durée n'est pas toujours la même. L'abandon total de Sœur Faustine à la volonté de Dieu, sa confiance illimitée en la miséricorde et sa forte intercession pour sauver les âmes, provoque la colère de celui qui est l'ennemi de l'amour. Sœur Faustine ne nous détaille pas abondamment les attaques du malin, mais elle relate quelques faits qui indiquent combien le diable l'a en horreur. Alors que je priais pour les pécheurs et que j'offrais toutes mes souffrances, l'esprit du mal ne put supporter cela. Et un spectre me dit « Ne prie pas pour les pécheurs, mais pour toi-même, car tu seras damné. » Sans tenir aucunement compte de Satan, j'ai prié avec une ferveur accrue pour les pécheurs. Le mauvais esprit hurla de colère. Ah, si j'avais pouvoir sur toi ! Et disparu. J'ai su que ma souffrance et ma prière gênaient Satan, parce que j'ai arraché bien des âmes à son emprise. Maintenant, je reconnais que Satan ne hait rien autant que la miséricorde. C'est elle qui lui cause la plus grande souffrance. Il est aussi donné à Sœur Faustine de connaître le terrible état de l'âme en enfer. Un jour, un ange est venu pour lui montrer l'enfer.
Je serais morte à la vue de ces terribles souffrances si la toute-puissance de Dieu ne m'avait soutenue. Que chaque pécheur sache qu'il sera torturé durant toute l'éternité par les sens qu'il a employés pour pécher. Moi, sœur Faustine, par ordre de Dieu, j'ai pénétré dans les abîmes de l'enfer pour en parler aux âmes et témoigner que l'enfer existe. Pour qu'aucune âme ne puisse s'excuser, disant qu'il n'y a pas d'enfer ou que personne n'y a été et ne sait comment c'est. Les démons ressentaient une grande haine envers moi. Quand je suis revenue à moi, je ne pouvais pas apaiser ma terreur de ce que les âmes y souffrent si terriblement. Aussi, je prie encore plus ardemment pour le salut des pécheurs. Sans cesse, j'appelle la miséricorde divine sur eux. Sœur Faustine est aussi simple à la grâce qu'attentive à rester dans l'obéissance vis-à-vis de ceux qui ont charge de son âme. C'est cette obéissance exemplaire qui, toute sa vie, la garde dans l'humilité, la protège de toute illusion spirituelle et la conduit sur les chemins de la sainteté. Dans sa vie, sœur Faustine a beaucoup souffert. Pendant les dernières années, elle est malade de la tuberculose. La vie communautaire l'oblige à des rudes combats. La grande quantité de travail n'empêche en rien son ascension spirituelle. Tout ce qu'elle fait est pour Dieu et avec Dieu. Sœur Faustine est souvent assaillie par les attitudes malveillantes de certaines sœurs, qui ne se doutent pas de sa vie mystique, qui reste secrète. Mon cœur est la demeure permanente de Jésus. Personne n'y a accès que lui. C'est en Jésus que je puise la force de combattre les difficultés et les contrariétés. Je désire passer en Jésus pour pouvoir me donner complètement aux âmes. Sans lui, je ne pourrais m'approcher d'elles, car je sais ce que je suis. J'absorbe Dieu en moi pour le donner aux âmes. En 1934, à la demande de Jésus, sœur Faustine s'est donnée comme offrande pour les pécheurs. Cette offrande consiste à accepter avec une entière soumission à la volonté divine toutes les souffrances, les peurs, les frayeurs dont les pécheurs sont remplis. En revanche, je leur donne toutes mes consolations qui découlent de mon intimité avec Dieu. Je n'ai pas peur des coups, car je suis unie à Jésus. Je vais répéter chaque jour cet acte d'offrande en récitant la prière suivante que toi-même, Jésus, tu m'as apprise. Ô sang et eau qui ont jailli du cœur de Jésus, comme source de miséricorde pour nous, j'ai confiance en vous. Quand j'ai reçu de mon confesseur la permission de faire cet acte d'offrande, j'ai commencé tout de suite à en expérimenter les effets. En un instant, mon âme devint comme un rocher, sèche, pleine de tourments et d'inquiétudes. Toutes sortes de blasphèmes et de malédictions se pressèrent à mes oreilles. La méfiance et le désespoir s'installèrent dans mon cœur. Voilà l'état des pauvres que j'ai pris sur moi. Au premier moment, j'ai eu peur de ces horreurs, mais à la première confession, j'ai été tranquillisée. Sœur Faustine a reçu de Dieu beaucoup de dons extraordinaires, particulièrement de saisir le mystère de l'infinie miséricorde divine
pour que le monde la connaisse. Elle a eu de nombreuses visions, des extases, des stigmates cachés, le don de prophétie. Quand elle rencontrait un pécheur, elle avait le don de voir l'état de son âme pour le sauver. Elle a eu aussi les grâces mystiques d'union avec Dieu, que nous trouvons dans la vie des saints. Les spécialistes de la vie mystique, des théologiens, la considèrent comme l'une des plus grandes mystiques de l'Église. Sœur Faustine est morte ici, dans ce couvent, à l'âge de 33 ans, le 5 octobre 1938. Elle a été enterrée au cimetière du couvent, au fond du jardin. En 1966, ses restes ont été transportés ici, dans cette chapelle. Sa tombe se trouve ici, à droite de l'entrée. C'est cette simple, peu instruite et humble religieuse qui était cuisinière, jardinière et portière que Jésus envoie vers toute l'humanité avec sa miséricorde. Quelle est cette mission? Glorifier et faire glorifier l'infinie miséricorde de Dieu. Sœur Faustine nous rappelle la vérité que nous connaissons. Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique pour que ceux qui croient en lui ne périssent pas, mais aient la vie éternelle. Cette vérité est connue, mais, dit Jésus, les gens l'ont oubliée. Sœur Faustine nous appelle à une confiance totale en Dieu et nous transmet les nouvelles formes du culte de la miséricorde. N'ayant pas encore un directeur de conscience qui puisse la suivre régulièrement, elle doit souvent faire face aux incompréhensions des confesseurs par rapport à sa vie mystique et à leur méfiance quant à l'appel précis de Jésus. C'est ainsi qu'elle supplie le Seigneur de lui donner un père spirituel qui l'éclaire. Elle devra encore attendre, mais pour l'encourager, le Seigneur lui dévoile dans une vision le prêtre qui, bientôt, viendra l'aider. Le 22 février 1931, Sœur Faustine est envoyée dans le couvent à Płock. C'est là qu'un grand événement a lieu. Écoutons ce qu'elle écrit dans son cahier. Un soir, dans ma cellule, je vis Jésus vêtu d'une tunique blanche. Une main levée pour bénir, la seconde touchait son vêtement sur la poitrine. De la tunique entr'ouverte sortaient deux grands rayons, l'un rouge, l'autre pâle. Je fixais le Seigneur en silence, l'âme saisie de crainte, mais aussi d'une grande joie. Après un moment, Jésus me dit : Peins un tableau de ce que tu vois avec l'inscription : Jésus, j'ai confiance en toi. Je désire qu'on honore cette image d'abord dans votre chapelle, puis dans le monde entier. Je promets que l'âme qui honorera cette image ne sera pas perdue. Je lui promets aussi la victoire sur ses ennemis dès ici-bas et spécialement à l'heure de la mort. Moi-même, je la défendrai comme ma propre gloire. Dès qu'elle reçoit cette révélation, Sœur Faustine est inquiète car elle ne sait pas peindre et décide de la transmettre à son confesseur. Mais celui-ci lui répond : Oui, peins l'image de Dieu dans ton âme. Lorsqu'elle sortait du confessionnal, elle entendit de nouveau ces paroles. Mon image est en toi. Je désire qu'il y ait une fête de la miséricorde. Je veux que cette image que tu peindras avec un pinceau soit solennellement bénie, le premier dimanche après Pâques. Ce dimanche doit être la fête de la miséricorde. Je désire que les prêtres proclament ma grande miséricorde envers les âmes pécheresses.
qu'elle n'ait pas peur de s'approcher de moi. Les flammes de ma miséricorde me brûlent. Je veux les répandre sur les âmes. Toute cette nouvelle mission semble bien difficile à Sœur Faustine. Elle se sent incapable de la remplir. Mais Jésus lui fait comprendre que tout est dans sa main. N'aie pas peur, ne crains rien, aie confiance, Dieu seul te suffit, Dieu seul te suffit. Reste ici et prie avec moi. Veillons ensemble. Veillons ensemble. Je sens que je suis unie au Seigneur si étroitement que je ne trouve pas de mots pour bien définir cette union. Il me suffit, lui seul, l'unique. En lui, je vois tout et rien sans lui. Je ne cherche pas de bonheur en dehors de mon être intérieur où demeure Dieu. Je me réjouis de Dieu à l'intérieur de moi-même. J'y vis sans cesse avec lui. C'est là ma plus grande intimité avec lui, à l'abri des regards humains. La Sainte Vierge m'encourage à me comporter de la sorte avec Dieu. Un mois plus tard, elle est envoyée à Vilno. C'est là que vint un grand encouragement. La semaine de confession arriva, et à ma grande joie, j'aperçus ce prêtre que je connaissais déjà avant de venir à Vilno. Je le connaissais pour l'avoir vu en vision. L'abbé Michał Sopoczko est docteur en théologie et grand homme de prière. Au début, il était méfiant face aux révélations de Sœur Faustine. Mais quand il a eu la certitude que cela venait de Dieu, il s'est engagé totalement à cette œuvre de la miséricorde divine. Le père Sopoczko demande au peintre Kazimierowski de faire le tableau du Christ miséricordieux selon les indications de Sœur Faustine. Une fois, j'étais chez le peintre chargé de peindre cette image. Comme j'ai été peinée en voyant qu'elle n'est pas aussi belle que l'est Jésus. Mais j'ai caché ma déception profondément dans mon cœur. Je suis revenue à la maison. Je suis allée aussitôt à la chapelle où j'ai beaucoup pleuré. J'ai dit au Seigneur, « Qui te peindra aussi beau que tu l'es ?» Soudain, j'ai entendu ces paroles. Ce n'est ni dans la beauté des couleurs, ni dans celle des coups de pinceau, que réside la grandeur de cette image, mais dans ma grâce. Ce premier tableau, peint en 1934, est resté à Vilno, dans l'église de l'Esprit-Saint,
qui est actuellement la seule église polonaise encore présente dans cette ville. Cette simple, mais humble et courageuse religieuse non instruite, qui avait une confiance totale en Dieu, a été choisie par Jésus comme apôtre de la miséricorde de Dieu. Un jour, il lui a dit, « À l'époque de l'Ancien Testament, j'envoyais vers mon peuple des prophètes. Aujourd'hui, je t'envoie vers toute l'humanité avec ma miséricorde. » Ainsi, cette simple ordinaire religieuse qui était cuisinière, jardinière et portière est envoyée par Jésus vers l'humanité avec sa miséricorde. En quoi consiste sa mission? Rappeler au monde une vérité connue depuis longtemps concernant l'amour miséricordieux de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que chaque homme qui croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Cette vérité est connue depuis longtemps, depuis qu'est connue la révélation. Mais dit Jésus, les hommes l'ont oublié. C'est par Sœur Faustine qu'il veut rappeler au monde cette vérité. Le tableau que vous voyez ici a été réalisé après la mort de Sœur Faustine à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Il a été peint par le peintre de Cracovie, Adolf Hewa, qui l'a offert comme remerciement d'avoir été sauvé pendant les événements de la guerre. Le tableau du peintre Hewa est devenu connu par de multiples grâces. Des copies de ce tableau ont été diffusées à travers le monde entier. C'est ainsi que se réalisa la volonté de Jésus, qu'il a manifesté lors de sa première apparition à Płock. Je désire que ce tableau soit vénéré dans votre chapelle et ensuite dans le monde entier. Et il en a été ainsi. Que représente ce tableau? Il nous envoie aux deux événements d'Évangile. Quand Jésus s'est montré aux apôtres dans le Cénacle, nous nous souvenons que cet Évangile est lu justement le premier dimanche après Pâques. Jésus est entré, les portes fermées, en saluant les apôtres réunis par les mots « Paix à vous ». Et c'est à ce moment qu'il a constitué le sacrement de réconciliation. C'est le sacrement qui donne à l'homme une telle paix que le monde ne peut lui donner. C'est le premier événement auquel nous envoie ce tableau. Le deuxième, c'est le Vendredi Saint, la crucifixion et son cœur qui a été transpercé par une lance. Jésus lui-même a expliqué la signification des rayons sur ce tableau. Il a dit que le rayon pâle signifie l'eau qui purifie l'âme. Et le rayon rouge signifie le sang qui est la vie des âmes. Ces deux rayons sont sortis de son cœur transpercé par la lance sur la croix. Ce tableau de Jésus miséricordieux est connu sous le vocable « Jésus, j'ai confiance en toi ». En effet, par sa passion, sa mort et sa résurrection, Jésus manifeste clairement l'amour de Dieu aux hommes. Il nous interpelle à la confiance envers Dieu et à la miséricorde envers les autres. Qu'est-ce que la confiance? C'est plus que de croire en l'existence de Dieu, c'est de nous confier entièrement à l'amour de Dieu qui est notre Père. Jésus disait à Sœur Faustine que la confiance est comme un récipient pour puiser la grâce. Plus il est grand, plus les grâces peuvent se déverser sur nous. Il dit, les grâces de ma miséricorde se puisent à l'aide d'un unique moyen qui est la confiance. Plus sa confiance est grande, plus l'âme reçoit. Les âmes d'une confiance illimitée me sont une grande joie, car je verse en elles le trésor entier de mes grâces. À la vénération du tableau de Jésus miséricordieux sont attachées trois promesses, comme Jésus l'a dit. La première d'entre elles, c'est la grâce d'être sauvé. L'âme qui vénérera ce tableau ne périra pas pour l'éternité. La deuxième promesse donne l'assurance de grands progrès dans le perfectionnement de vie chrétienne. Jésus a promis de donner à cette âme la victoire contre les ennemis. Il s'agit bien sûr des ennemis de l'âme. La troisième promesse, c'est la grâce d'une bonne mort.
Moi-même, je la défendrai comme ma propre gloire, justement en cette heure la plus difficile de l'homme. Toute grâce dérive de la miséricorde, et la dernière heure est pleine de miséricorde pour nous. Que personne ne doute de la bonté de Dieu. Nos péchés seraient-ils noirs comme la nuit? La miséricorde de Dieu est plus forte que notre misère. Une seule chose est nécessaire, que le pécheur entr'ouvre, ne serait-ce qu'un peu, les portes de son cœur au rayon de la miséricorde divine, et Dieu fera le reste. Mais malheur à l'âme qui a fermé la porte à la miséricorde divine, même si c'est à la dernière heure. La fête de la miséricorde divine, le premier dimanche après Pâques, est une autre façon de vénérer la miséricorde de Dieu que nous transmet Sœur Faustine. Pour préparer cette grande fête dans la prière, on commence le vendredi saint une neuvaine, que Sœur Faustine appelle la grande neuvaine. Elle se termine le premier dimanche après Pâques. Je désire que durant ces 9 jours, tu amènes les âmes à la source de ma miséricorde, afin qu'elles puisent force et soulagement, ainsi que toutes les grâces dont elles ont besoin dans les difficultés de la vie et particulièrement à l'heure de la mort. Chaque jour, tu amèneras jusqu'à mon cœur un nouveau groupe d'âmes et tu les plongeras dans l'immensité de ma miséricorde. Et moi, je les conduirai toutes dans la maison de mon Père. Tu feras cela dans cette vie et dans l'autre. Je ne refuserai rien à toute âme que tu amèneras à la source de ma miséricorde. Et chaque jour, tu imploreras mon Père, au nom de ma douloureuse passion, de t'accorder des grâces pour ces âmes-là. Jésus accorde à la célébration de la fête de miséricorde une promesse toute spéciale. Toute âme qui en ce jour s'approchera de la source de vie par la confession et la Sainte Communion obtiendra le pardon complet de ses fautes et la remise de leur punition. C'est une grâce plus grande que les indulgences. Elle exige le rejet de tout attachement au péché et d'avoir une confiance totale en Dieu Père et demande de notre part un amour actif de charité envers notre prochain. Une autre façon de vénérer la miséricorde divine, c'est la petite couronne, le chapelet révélé à Vilno le 13 et 14 septembre 1935. Sœur Faustine, dans sa cellule, a aperçu un ange, exécuteur de la colère de Dieu. Quand elle a vu ce signe de la colère divine, elle a eu très peur et elle a commencé à supplier l'ange de s'arrêter quelques instants et que le monde fera pénitence. Elle écrit qu'à ce moment, elle s'est trouvée en présence de la majesté de la Sainte Trinité et qu'elle n'a pas osé redire cette supplication. La grandeur de sa majesté me pénétra jusqu'au fond de l'âme et je n'osais plus répéter mes supplications. Au même instant, je sentis en mon âme la force de la grâce de Jésus qui habite en mon âme. À l'instant même où je pris conscience de cette grâce, j'ai été enlevée devant le trône de Dieu. Oh, qu'il est grand notre Seigneur et notre Dieu, inconcevable est sa sainteté. J'ai commencé à supplier Dieu pour le monde par des paroles entendues intérieurement. Alors que je priais ainsi, j'ai vu l'impuissance de l'ange qui ne pouvait accomplir la juste punition qui revient de plein droit au péché. Je n'avais jamais encore prié avec tant de force intérieure. Père éternel, je t'offre le corps, le sang, l'âme et la divinité de ton cher Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation pour nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, prends pitié de nous et du monde entier.
Quand elle a senti en son âme la force de l'action de Jésus, elle s'est mise à prier avec lui avec des mots de la petite couronne, le chapelet à la miséricorde divine. C'est alors qu'elle a vu que la punition de Dieu a été repoussée de la terre. Le lendemain, quand elle est entrée dans la chapelle, Jésus lui a enseigné encore une fois comment réciter ce chapelet à la miséricorde divine. Au début, tu diras le Notre Père, l'Ave et le Credo. Puis, comme sur un chapelet ordinaire, sur des gros grains, tu diras « Père éternel, je t'offre », etc. Sur les petits grains, par sa douloureuse passion, et pour finir, Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, prends pitié de nous et du monde entier. À cette prière, Jésus a attaché aussi des promesses extraordinaires. À part les promesses globales, les promesses détaillées concernent l'heure de la mort. Le Seigneur Jésus promet la grâce d'une bonne mort et d'une calme mort, non seulement à ceux qui diront eux-mêmes ce chapelet, mais aussi aux mourants, auprès de qui les autres prieront avec ces paroles. C'est une très grande promesse. Jésus a dit que même le pécheur le plus endurci, s'il dit au moins une fois ce chapelet, obtiendra la grâce de sa miséricorde. Les prêtres la donneront aux mourants comme une dernière planche de salut. C'est alors que Jésus a dit, « Moi-même, je me mettrai entre cette âme et le Père, car Jésus est mort aussi pour cet homme sur la croix. » Dans la chapelle à Cracovie, les religieuses récitent le chapelet à la miséricorde divine. Père éternel, je t'offre le corps, le sang, l'âme et la divinité de ton cher Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, prends pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prends pitié de nous et du monde entier. Ma miséricorde enveloppera les âmes qui réciteront ce chapelet pendant leur vie et surtout à l'heure de la mort. Quelle grande grâce j'accorderai aux âmes qui diront ce chapelet. Les profondeurs de ma miséricorde sont émues pour ceux qui disent ce chapelet. Inscris ces mots, ma fille. Parle au monde de ma miséricorde. C'est un signe pour les derniers temps. Après viendra le jour de la justice. Tant qu'il en est temps, que les hommes aient recours à la source de ma miséricorde, qu'ils profitent du sang et de l'eau qui ont jailli pour eux.
Une autre forme de la vénération de la miséricorde divine, c'est 3 heures de l'après-midi, l'heure de l'agonie de Jésus sur la croix. Jésus a dit ainsi, « À chaque fois, quand tu entendras l'horloge sonner 3 heures, plonge-toi tout entière dans ma miséricorde, en l'adorant et en la glorifiant. Appelle cette puissance pour le monde entier, et particulièrement pour les pauvres pécheurs. En cette heure est venue la grâce pour le monde entier. La miséricorde a vaincu la justice. » Essaye, à cette heure-là, de faire le chemin de croix autant que tes occupations te le permettent. Quand tu diras cette invocation pour un pécheur, avec un cœur contrit et avec foi, je lui donnerai la grâce de la conversion. Voici cette prière. Sang et eau, sortis du Sacré-Cœur de Jésus, comme source de la miséricorde pour nous, j'ai confiance en vous. En cette heure, Jésus a donné sa vie pour toi. En cette heure, le ciel a été ouvert pour toi. Unis-toi à Jésus sur la croix, remercie-le, en te confiant à sa miséricorde, en suppliant pour le monde entier. En cette heure sainte, une multitude de personnes s'unissent dans la prière. Si tu es occupé, dis au moins, « Jésus, j'ai confiance en toi. » Jésus, j'ai confiance en toi. Pendant la méditation du matin, la présence de Dieu m'a enveloppée d'une façon spéciale, en voyant la grandeur incommensurable de Dieu et en même temps son abaissement jusqu'à la créature. Soudain, je vis la Mère de Dieu qui me dit que l'âme qui suit fidèlement le souffle de la grâce est agréable à Dieu. J'ai donné au monde le Sauveur, et toi, tu dois parler au monde de sa miséricorde et préparer le monde à la seconde venue de celui qui viendra, non comme Sauveur miséricordieux, mais comme juste juge. Oh, comme ce jour est terrible! Le jour de la justice a été décidé, le jour de la colère de Dieu. Les anges tremblent devant lui. Parle aux âmes de cette grande miséricorde, tant que c'est le temps de la grâce. Dans sa vie, Sœur Faustine a beaucoup souffert. Pendant les dernières années, elle est malade de la tuberculose. En décembre 1936, l'état de sa santé s'aggrave et ses supérieurs l'envoient faire une cure dans un hôpital à Prandnik. Même sans force physique, elle continue à répondre à l'appel des âmes agonisantes pour les accompagner de sa prière. Alors qu'elle n'a pas la possibilité de recevoir la communion pendant plusieurs jours, laissons Sœur Faustine raconter cela. Je vis soudain, près de mon lit, un séraphin qui me donna la Sainte Communion. Après cette communion, mon esprit se plongea dans l'amour divin et la stupéfaction. Cela se répéta pendant 13 jours. Mon cœur m'attire là où mon Dieu est caché, où il demeure nuit et jour avec nous, sous l'apparence de la blanche hostie. Il dirige le monde entier et vit au plus intime des âmes. Mon cœur m'attire là où mon Seigneur se cache, où son amour s'est anéanti. Mon cœur sent que c'est la source d'eau vive. C'est mon Dieu vivant, un simple voile le cache. Le 5 octobre 1938, au milieu d'intenses douleurs, mais avec une profonde paix, Sœur Faustine rend son âme au Seigneur.
Avant sa mort, quand elle était très malade, à un moment, Sœur Faustine a dit qu'elle sent que sa mission ne s'arrêtera pas avec la mort, mais au contraire qu'elle va commencer. Nous sommes bien conscients de cela. Pendant toute sa vie, connue de personne, elle est restée pauvre, simple, petite religieuse, et maintenant elle est allée dans le monde entier. Pendant la dernière fête de la miséricorde après Pâques, il y avait plus de 80 000 personnes qui sont venues ici pour prier. C'est pour cela que nous avons construit cet hôtel pour que célébration puisse avoir lieu. À cette occasion, la messe est célébrée par le cardinal. Nous recevons beaucoup de lettres. Dans nos archives, il y a plus de 10 000 grâces enregistrées. Des milliers de pèlerins du monde entier viennent prier ici, sur sa tombe. Après le procès informatif diocésain, ouvert à Cracovie en 1965 par le cardinal Karol Wojtyła, la cause de béatification de Sœur Faustine a été introduite à Rome. La guérison miraculeuse par l'intercession de Sœur Faustine d'une femme américaine, que les commissions médicales ont confirmée, a été un des éléments nécessaires pour compléter le dossier. La béatification de Sœur Faustine a eu lieu le 18 avril 1993 à Rome. Je te remercie, mon Dieu, de m'avoir créé, de m'avoir, du néant, appelé à l'existence, d'avoir imprimé ta divine empreinte en mon âme et de ne l'avoir fait que par amour. Ô très doux Jésus, qui a gracieusement exigé de moi que je parle de ton inconcevable miséricorde au monde entier. Voici qu'aujourd'hui, je prends en main ces deux rayons qui ont jailli de ton cœur miséricordieux, le sang et l'eau, et je les répands sur tout le globe terrestre pour que toute âme éprouve ta miséricorde et, l'ayant éprouvée, t'adore pendant l'éternité.